Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Vic. Bonsoir, Claude. Bienvenue au Théâtre Corona. C'est un petit théâtre de quartier où, au début du siècle, on présentait du cinéma muet, du vaudeville. Eh bien, ce soir, c'est dans cette ambiance de belle époque que nous allons fêter un curieux personnage, une vedette intégrée au showbiz québécois. On dit d'elle, c'est la reine du music-hall, Gilda, la phénoménale. Depuis des siècles, le travesti a toujours été, pour la grosse foule, la denrée sûre. Le public a toujours adoré le travesti, et ça remonte au temps des temps. Faut pas oublier que le travesti, c'est une invention du clergé. Quand ils ont fait, quand on a commencé à faire des pièces de théâtre, les premiers Shakespeare ont été joués par des travestis. Parce que une femme qui montait sur une scène, c'était la catastrophe. Et quand on pense qu'ils ne voulaient même pas enterrer les comédiens dans des cimetières normaux, là, mais vraiment, l'hypocrisie qui a régné sur le monde, qui règne encore du reste, mais enfin, il y a eu des époques plus fortes que d'autres. Le travesti, c'est finalement tout le spectacle. Les gens qui chantent l'opéra, ils sont en travesti aussi, je veux dire, ils se déguisent tous les soirs. Finalement, c'est des gens qui vivent continuellement dans un monde irréel. Le travesti Gilda est né de l'imaginaire d'un Européen de bonne famille, Jean Guida de Mortel-Arrault. Il a réussi à faire ressortir le caractère unique de son personnage à une époque où les artistes légendaires de la scène faisaient tous la tournée des grands cabarets du monde. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, l'artiste Jean et sa créature Gilda sont soudés l'un à l'autre. Pour le grand public, ils ne font qu'un, si bien qu'on peut s'imaginer que Gilda est née le même jour que Jean, le 21 juin 1924. Je me rappelle, à l'âge de 2 ans et demi, on entendait bing, 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 bing. C'était Jeannot qui arrivait, qui était à l'en haut de ma mère, avec une fourrure, avec quelque chose. Je l'ai toujours connu comme ça, et on a 10 ans de différence. Donc moi, déjà, quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois, il était déjà déguisé. Dans nos jeux que l'on faisait dans les récréations, ça c'était quand j'étais au petit chanteur de la Corée de Bois, j'étais dans une section qui s'appelait la Cantoria. On avait des petites capes là, et je la fermais autour de ma taille, c'est-à-dire que j'étais pas gros, hein. Et je faisais toujours la princesse qu'on allait enlever, ou la prisonnière, ou... Donc déjà, à l'époque, sans m'en rendre compte, je jouais des rôles de femmes. Je voudrais pour vous, mesdames, être toutes les femmes que vous avez rêvé un jour d'être. Et pour vous, messieurs, toutes celles que vous auriez voulu aimer. Ça, c'était une fille d'une beauté rare. En gars, c'était un très beau gars. Puis en fille, c'était une très belle fille. Alors,
Je me disais, mais ce gars-là, est-ce qu'il vit en gars, est-ce qu'il vit en fille dans la vie? Ça avait l'air tellement naturel quand on le voyait sur scène en fille. C'est en moi, c'est dans mon âme, et je suis persuadé que j'ai déjà vécu une vie de femme. J'ai déjà été femme dans une vie antérieure. C'est un mystère de voir un homme qui est plus à l'aise en femme qu'en homme. C'est toujours un peu étrange pour les femmes de voir ça. Et après, Gilda, de toute façon, on s'est mis à en voir de plus en plus des hommes qui personnifiaient des femmes au théâtre, au cinéma. Énormément d'acteurs ont fait ça. Même, on peut voir dans La Petite Vie, quand même, Maman, c'est joué par un homme. C'est un drôle de phénomène qui fait réfléchir sur ce qu'est la féminité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend complètement? Est-ce que c'est juste une peau qu'on endosse, des vêtements? Qui a inventé la féminité? Est-ce que c'est les hommes qui ont inventé ça? Puis que maintenant que les mœurs sont plus libres, qu'ils peuvent se réapproprier leur invention? Je sais pas. C'est mystérieux. Mais moi, je le prendrais d'une autre façon. Nous, les femmes, on voudrait bien que les hommes reconnaissent qu'ils ont une partie femme en eux. C'est pas nécessaire de mettre du rouge à lèvres et du rouge sur les ongles, mais qu'ils avouent avoir ce côté féminin non exploité, qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à libérer. Et les femmes ont aussi un côté mâle en elles, qu'elles doivent apprendre à manager aussi. Mais l'entente entre les hommes et les femmes serait bien meilleure si chacun utilisait toutes ses capacités. Je pense que tout le monde ne souhaiterait pas vivre avec Jean Gilda, mais la partie féminine de l'âme de chacun, des hommes, oui, ça pourrait amener une meilleure compréhension. Voyez-vous, je possède actuellement un petit quelque chose, mesdames, que vous n'avez pas. Vous n'avez pas grand-chose en vérité, mes amis vous diront qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat, mais... Ben, c'est un souvenir de famille auquel je tiens beaucoup. On s'en sert pas souvent, mais on s'y attache. Je vois des dames qui me regardent avec des grands yeux tout ronds qui se demandent de quoi je parle. Ma pauvre chérie, je pourrais vous renseigner en une seconde et vous dire le nom de l'objet, mais je ne peux pas. Une certaine censure m'y interdit. Il pouvait être drôle et il y avait toujours cet élément un peu triste, un peu... cette sensibilité un petit peu plus élevée qui rejoint l'émotion comme chez Dietrich, par exemple, comme chez... Piaf, oui, ça c'est sûr, chez Dietrich, chez Gréco, par exemple. Il y a toujours quelque chose de... Il y a toujours une mélancolie, il y a toujours une tristesse. Et il y avait ça chez Gilda. Quand on voit des travestis, moi j'en ai vu d'autres. J'en ai vu à Paris, par exemple, dans certaines boîtes. Les travestis imitent physiquement complètement une vedette. Je suis sûre qu'il y en a actuellement là, qui font Céline Dion, je suis convaincue de ça. Mais c'est une imitation de quelqu'un. Jean Gilda, c'est une imitation de personne. Jean Gilda, c'est son personnage à lui, qu'il a travaillé au fur et à mesure des années, et cette femme-là est devenue éblouissante. C'est pas juste un female impersonator, c'est plus que ça. C'est un grand artiste. J'espère toujours en toi. Je sais que tu viendras. Tu me tendras les bras. Et tu m'emporteras. Et tu m'emporteras. Et tu m'emporteras. Et tu m'emporteras. Et tu Ah non, tu devrais être très fier de ça, Gilda, d'avoir 74 ans. Tu devrais être très fier de ça. Elle est pas mal pour son âge. Qu'en penses-tu, Marlène? À 71 ans, j'étais encore une amie. My God! How old are you now? 133, 134? Encore moins que le nombre de rides que vous avez sous les yeux.
ma chère Betty. Oh, Betty. Dans la tradition de l'éternel féminin, depuis ses tout débuts, Gilda peaufine l'art de maquiller son âge et de prendre sur son visage les accents du mystère et de la séduction. Son premier look est inspiré par une vampe mythique, la rousse sculpturale qui chante « Put the blame on Maine » dans un film réalisé par Charles Vidor en 1946, film qui sans elle serait tombé dans l'oubli. Il y a un film qui est sorti avec Rita Hayworth qui s'appelait Gilda en français, mais c'était Gilda en anglais. Et ça m'a donné l'idée, vu que j'avais Guida de Mortel Larose dans mon nom, j'ai dit, ben, je vais prendre Guida, je vais ajouter un L. Ça va faire Gilda, c'est court, c'est simple, ça se retient bien. Là, entre-temps, je me suis rendu compte que j'étais plus jolie en blonde qu'en rousse. Alors, dès le départ, j'ai eu 40 ans, même quand j'en avais 20, je me faisais un maquillage plus dramatique pour paraître plus vieille. Et pouvoir jouer les sophistiqués, les Marlène et compagnie. Mais ces actrices-là, à l'époque, ont imposé le port du pantalon, fumaient le cigare, la cigarette, avaient des voix assez rauques, graves. On comprend que ce soit ces choix-là que les hommes fassent. Pour nous parler de Gilda, nous avons l'insigne honneur d'avoir son créateur, son mentor, un peu comme René Angélil à l'endroit de Céline Dion, ou bien encore, comme faisait Jean Cocteau à l'endroit de Jean Marais, ou plus près de nous, Claude Meunier avec Papa et Maman. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on accueille le comte Jean Guida de Monterre. Il va me le dire en arrivant. Jean Guida, c'est vous. Bravo. Bonjour, général. Bonjour, Claude. Bonjour, Vic. Alors, c'est quoi, comte de Monterre? Mortel Larose. Mortel Larose. Bon, c'est pas facile, hein? Non, c'est pour ça que je viens de le changer sur mon passeport. Vous avez changé le nom? Ça créait des problèmes aux douaniers. J'ai gardé Guida. Monsieur Jean Guida, qui êtes-vous? Je suis français, provisoirement, encore pour quelques semaines, ça dépend d'Ottawa actuellement. Né à Paris en 1924. Au Canada depuis 7 ans. Marié? Marié 3 fois. Veuf une fois, divorcé une deuxième fois. J'ai 2 enfants. Une fille de 11 ans et un garçon de 19 ans. Jean Guilda est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un même de raffiné, de cultivé en plus, je pense qu'on peut dire ça. C'est quelqu'un qui aime les femmes aussi. On pourrait penser qu'un travesti, moi, ça avait été peut-être ma première réaction de penser qu'un travesti n'aime pas les femmes en général. Ben Jean, je pense, aimait les femmes, aimait la compagnie des femmes, aimait discuter avec les femmes. Je pense que l'âge idéal pour une femme qui fait ce métier, musicole, c'est autour de 40. Oui. C'est un âge idéal parce qu'on peut encore jouer les jeunes filles. Oui, ben oui. Ensuite, on peut jouer les femmes sophistiquées. Et puis, on veut se vieillir, on fait semblant, on se met un peu de maquillage on pour être plus vieille, mais le lendemain, oui. Ça repart. Oui, oui, on rajeunit d'un seul exactement. Coup. Exactement. Quand on parle de Gilda, on parle de Jean Guida, hein, parce que c'est le Pygmalion de Gilda. Et puis, c'est un mariage, ça. Jean Guida puis Gilda, là, c'est le mariage, c'est le seul mariage qui a réussi, d'ailleurs. Je pense qu'il s'est donné une personnalité qui est autre que lui-même quand il joue, quand il se déguise. Il a incarné ce caractère de cette femme-là qu'il refait. Il est très agressif, il parle, il affronte, il a peur de rien. C'est étonnant. Au début, c'est amusant parce que je crée une bonne femme de toutes pièces, j'ai trouvé une personnalité, tout ça. Et puis après, c'était moi qui me déguisais. Ouais. Mais quand j'ai réalisé... Martin, s'il te plaît. Quand j'ai réalisé que Madame prenait les rênes, ça, j'ai pas aimé ça du tout. Mais là, vous êtes devenu esclave de Gilda. Faisiez les oui, textes. Oui, en quelque sorte. D'abord, j'étais le metteur en scène, le coiffeur, le couturier, le parolier. Je lui écrivais les revues, je montais les revues, je les mettais en scène. C'est quelqu'un qui savait toujours quel concept de show il va faire. Chaque show changeait. Chaque show était une thématique, la musique en conséquence, les artistes en conséquence. C'était toujours des gens choisis pour que ça complémente, elle,
qu'elle arrivait pour le grand finale dans toute sa splendeur. Gilda, c'est pour moi l'homme qui est sur scène, le travesti qui est sur scène et qui mène divinement bien des revues à grand spectacle. Il est très beau quand il est emplumé. Je reconnais que Gilda est un monstre sacré. Elle a un envouement avec le public extraordinaire. Chapeau. Je lui souhaite une longue vie. Hein, c'est à double sens. C'est déjà qu'une longue carrière. Et comme aurait dit Mistinguette, vive le musical! Vive le musical! Le musical a ses racines dans ce Paris canaille où par son jupon la femme de l'homme trouble l'âme. Clin d'œil du destin, lorsqu'il est encore au berceau, Jean Gilda se fait parfois garder par Joséphine Baquet. Danseuse de Charleston et de Black Bottom, elle a fait époque avec sa prestation en 1925 dans la revue Nègre présentée au Théâtre des Champs-Élysées. Toute nue, simplement vêtue d'une ceinture de banane. Au tournant du siècle, il y avait à Paris plus de 300 cafés-concerts ou cafés chantants. Et au début des années 20, la reine de cet univers s'appelle Mistinguette. Née Jeanne Bourgeois en 1873, elle a commencé à chanter à 12 ans. Meneuse de revue au Casino, au Moulin Rouge et aux Folies Bergères, elle est aussi tête d'affiche dans le cœur d'un jeune premier qui a 15 ans de moins qu'elle, le grand fantaisiste Maurice Chevalier. Depuis leur première valse renversante en 1909, ils incarnent en quelque sorte les parents spirituels de tous les artistes de music-hall du 20e siècle. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui. Mesdemoiselles, je vous fais un coup de chapeau. Merci d'être venues. Mesdemoiselles, bonsoir. Et oui, à cette époque, on les appelait pas encore les girls. C'était des femmes de revue. J'avais 10 ans. C'était en 1898. Et puis après, j'ai découvert les jupons. Alors là, c'était Fréhel. C'était Mistinguette. C'était aussi Fanny, et puis Gigi, et puis Every Little Price and to Whisper Louise, et surtout Vic, vous devez vous rappeler de celle-ci. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons, que je tâtais à tâtons. Elle avait tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, ah, elle était frisée comme un mouton, Valentine. Et puis, nostalgie, pour nostalgie, celle que j'aimerais voir revenir, c'est bien sûr Titi. Je cherche après Titine. Mais cherche pas, je suis là. Titine. Hello, 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 hello. Alors, Momo. Alors, Titine. Mon Dieu, pourquoi t'es habillé comme ça? C'est la forme, qu'est-ce que tu veux? Oh. On danse?
Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un spectacle. Un spectacle? Ah, un spectacle formidable avec Gilda. Et pas encore morte, hein? Tu connais. Il me semblait qu'on l'avait guillotiné. Non. Oh non, c'est Marie-Antoinette. Oh, je me mélange un peu. Oh non, moi, les bonnes femmes qui vont arriver encore avec des gros nichons puis des jambes qui n'en finissent plus, je suis allergique. Miss Inget venait d'une famille très petit bourgeois et les aristocrates lui tapaient un peu sur les nerfs. Alors, elle aimait bien jouer les clochardes. Elle arrivait avec son chien sous les ponts de Paris. Elle aimait bien retrouver ses racines. Et après, arriver en haut de l'escalier couvert de diamants. Et c'est là que j'ai pris l'idée de moi aussi d'avoir ma titine. Et ça, bien, ça a toujours été du succès. Viens, ma grosse, viens voir maman. Viens, Jean. Oui. Tout était si clair, facile et sensé. J'avais dans les yeux tous les jours de ma vie un ciel toujours bleu, tout était si joli. Car j'avais 20 ans, le monde à mes pieds, c'était le printemps. Je croyais rêver, l'amour était là au coin de la rue. Jean a imprégné son personnage Gilda de son héritage culturel personnel. Il est le premier enfant du comte Silvio Guida de Mortellaro et de Suzanne Cousin, qui ont vécu un grand amour. Eh bien, il se trouve que dans la famille, du côté de mon père, il y a beaucoup d'artistes, des musiciens, des peintres. Et puis on a tous hérité un peu de ça. Mon père peignait, mon frère peignait très bien, peint toujours. Non, on a ce don dans la famille. Pour le chant, pour la musique, pour tout ce qui est artistique. Parfois, je me demandais si ça aurait pas été une seconde nature chez ma mère, qu'elle n'a jamais pu développer. Peut-être que ma mère aurait voulu être une vedette, une femme, peut-être. Elle aurait pu peut-être s'épanouir si mon père l'avait laissé faire. Finalement, je pense que maman aurait été très heureuse de s'extérioriser, ce qu'a fait mon frère, qu'elle n'a jamais fait, elle. Jeune, Jean vit dans les hôtels de sa grand-mère, d'abord à Avignon, puis après le crash de 1929 à Nice. Durant la guerre, on le retrouve danseur classique avec le maître de ballet russe Etcheverry, à l'Opéra de Nice, où il joue entre autres dans La Belle au bois dormant. Il n'y avait plus d'hommes. Tous les hommes étaient sous les drapeaux, ils avaient désespérément besoin de rôles masculins. Alors ils m'ont engagé, mais je n'étais pas un bon danseur. En fait, c'est sa peinture, hein, c'est son dessin qu'il a dirigé dans cette voie. Et ça, il peignait partout, n'importe où, n'importe qui. Il était très doué. Ben, c'est-à-dire, de la peinture, je suis tombé au maquillage. C'est quand même de la peinture, veux pas. Et puis le maquillage me plaisait, alors je dis, je vais passer un brevet, ce qui a été très facile pour moi. Et quand j'ai eu mon brevet de maquillage, j'ai commencé à travailler à la Victorine, le studio de Victorine à Nice, studio de cinéma, comme maquilleur. Mais malgré tout, je ne peignais pas les vedettes. Je ne peignais que la figuration et les petits rôles. J'ai même fait des trucs qui auraient pu me faire de gros ennuis. On tournait Les Enfants du Paradis et les fossiles à l'époque n'étaient pas aussi raffinés que ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'avais remarqué que Arletty, ça lui faisait une petite pointe ici. Il y avait toujours un mauvais raccord. Et un jour, en parlant avec Arletty, je dis Arletty, si vous voulez, moi, je peux vous mettre les fossiles, on ne les verra pas. Elle me dit, ah oui. Ah ben, elle me dit, on fait des gros plans cet après-midi, viens dans ma loge.
Là, je lui ai enlevé les fossiles, je lui ai retourné la paupière et je lui ai collé le fossile à l'envers, à l'intérieur des cils. Mais si elle avait eu une infection avec la colle ou quelque chose, j'aurais eu de gros ennuis. Mais quand on est jeune, hein, on pense pas à ça. N'empêche que quand il est arrivé pour les gros plans, le metteur en scène s'en est aperçu. Il dit, t'as des beaux yeux aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait ? Tout en étant maquilleur, il décroche de petits rôles dans les films, car déjà à Monaco, il avait joué au théâtre. Je faisais beaucoup de cinéma, mais comme figurant. Alors, j'avais remarqué, il y avait toujours un visagiste. Et puis, reconnaissez, j'ai une mémoire d'éléphant. Non, toi, t'étais dans telle scène, dehors. Pour pas qu'on voit les mêmes visages dans des scènes différentes, dans des endroits différents, ça ne veut rien dire. Alors, je m'étais arrangé avec un copain qui travaillait dans les bureaux, qui me disait les scènes qu'il préparait pour le lendemain. Et je me maquillais, et j'arrivais maquillé pour une scène de bagarre. J'arrivais avec un pansement, avec l'uniforme. Ils m'ont regardé même pas. Je passais tout de suite. Du fait que j'étais maquillé et habillé, c'est que j'avais un rôle. Alors, j'ai fait des films où on me voit au moins 10 fois. J'ai un travelling dans Les Malheurs de Sophie, de Jacqueline Audry. On partait sur la barricade, la révolution, la barricade, et je suis là avec un revolver et je tire des coups, et la caméra recule. Et là, on me voit traverser en courant avec un bonhomme sur le dos, que j'essaie de sauver. La caméra recule toujours. On me voit à une fenêtre en vieille bonne femme en train de tirer des coups de fusil. Parce qu'entre chaque scène, on arrêtait et ils faisaient des raccords avec de la fumée. Il y avait une explosion. Et c'était... Ça fait que sur un long travelling, on me voit au moins 5 fois. Alors naturellement, je me suis un peu trop vanté de ça. Alors les petits copains sont allés raconter. Alors ils m'ont fait venir. Est-ce que c'est vrai ? Alors ils ont regardé les roches. Puis effectivement, je leur dis, ben là c'est moi, ben oui, là c'est moi, ben oui. Et ils m'ont payé au mois. J'étais devenu le bouche-trou, la bonne à tout faire. Je suis devenu en quelque sorte le stunt woman du studio. Ça n'existait pas à l'époque. Il y avait des doublures, mais pour donner du texte, pas pour de l'action. Jean Guida de Mortellaro rêve de briller sur les planches et au grand écran. Mais déjà, Gilda commence à se réclamer de son don de personnificateur et de son extraordinaire beauté androgyne. Son talent de travesti devient sa carte maîtresse. Au début, c'était un jeu. C'était à la suite d'un film dans lequel ils avaient besoin d'un travesti, qui devait faire un numéro de trapèze. C'était la femme coupée en morceaux d'Ivan Noé. Alors, je faisais un numéro au trapèze. Après, je descendais à la corde et ils cherchaient une femme, une certaine femme. On l'a trouvée. Et j'ai enlevé ma perruque. Merde, c'était pas elle à nouveau. Pour la promotion du film, ils ont demandé à tous les acteurs qui avaient fait du musical ou du chant ou de la danse de monter un spectacle live qu'ils allaient montrer avant le film. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis j'ai pensé à un copain qui ne travaillait plus au ballet. Et je lui ai dit, est-ce que tu monterais un numéro d'Adagio avec moi ? Alors on a monté un numéro d'Adagio qui commençait très classiquement sur pointe. C'était le pas de deux classique. Et là, les gens, au moment où ils me levaient de terre, les gens voyaient le ruban de mon chausson qui se défaisait. Alors tout est malin. Oh, la pauvre chérie, elle va se casser la gueule. Son ruban s'en va. Et puis alors, bon, j'ai rangé, tout en dansant, j'ai rangé mon truc. Et là, j'avais mon tutu qui descendait. Qu'à la fin, le tutu faisait une robe poisson. Là. Alors brusquement, on faisait un petit pas de tango. Puis à un moment, il faisait... plus grande rivale. Ma plus grande rivale, devinez. Marilyn Monroe. Je devais faire un film à Hollywood. Some Like It Hot. Les coups d'essai étaient finis, les contrats étaient signés, jusqu'à ce que Marilyn Monroe ait vu le screen test. Et elle a poussé des hauts cris, elle a hurlé à mort. Elle n'a pas voulu de moi. Elle avait peur.
De son côté, Jean a joué dans plusieurs films. Mais si on fait le bilan de sa carrière d'acteur, c'est sans contredit le travesti qui a retenu la faveur populaire. Depuis son arrivée au Québec à l'époque de Duplessis, il a su s'intégrer au courant tout en restant unique. Permets-moi de te présenter une amie, Gloria. Gloria Swanson. Elle a l'accent, elle. Parle d'un nom, toi, Gloria Swanson. Il semble que ça nous dit quelque chose. On va finir par me reconnaître. T'aurais pas pu trouver un autre nom, non? Lequel? Ton vrai? Ouais. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal. C'est merveilleux. À Montréal, c'est merveilleux. Les trois quarts des travestis travaillent dans des clubs spécialisés maintenant. J'en connais pas qui travaillent avec un public, disons, normal. Ça, j'ai été le premier, indiscutablement. Gilda est indissociable de l'histoire des Nuits de Montréal. Parmi ses premiers complices dans le milieu artistique, on retrouve les vedettes de vaudeville et du Théâtre national, Juliette Béliveau et surtout Juliette Pétry. C'était une femme éduquée, instruite, intelligente, gentille, qui n'a pas de mots pour le dire, du talent qui lui sortait par les trous de nez et les oreilles. Ça a été ma plus grande amie au Canada. On a travaillé des années et des années ensemble et je l'adorais. Mais elle venait du Théâtre national. Et quand la première fois que j'ai engagé Juliette à Québec, les Thibault n'en voulaient pas. Ah, bah, je m'excuse, mais on a monté la revue avec. Ils m'ont donné 2 semaines. Ils avaient 2 semaines pour la garder ou la renvoyer à Montréal. Elle a fait un malheur dans la revue. Et un jour, il y avait des gens de, je pense que c'est Radio-Canada, ils sont venus voir mon spectacle, ils ont vu Juliette Pétry comme s'ils la voyaient pour la première fois, et ils l'ont signée pour la Pente Douce, et elle est partie, là, comme une fusée. Le 9 avril 1965, Gilda, la meneuse de revue la plus adulée du Québec, entre toute plume dehors à la Place des Arts. Je la regardais, je pouvais pas m'imaginer que c'était un homme, puis tellement bien arrangé d'en haut, tu sais ce que je veux dire. Il n'y a pas une femme qui aurait pu arranger ça comme ça. En 1967, c'est l'année de l'expo. Les cabarets n'ont plus la cote et Gilda, qui vient d'ouvrir sa propre boîte dans l'ancien El Morocco, écope comme les autres. Depuis les années 70, ses revues sont présentées au Théâtre des Variétés. C'était pas le public de Gilda, c'était un public qui n'était pas sophistiqué pour 2 sous. Qui est habitué à, avec la poune, la grosse mandage et la tulipe. Il n'avait jamais vu de musical. Et puis moi, j'ai commencé tout doucement, pas vite, à transformer le théâtre, à amener les escaliers, à montrer du beau. Et puis ils ont aimé ça. Ouh là là, ils adoraient. À Londres ou à Rio, à Berlin, à Santiago, ici, à Buenos Aires ou à Monte Carlo. Tous les hommes à sa porte attendent qu'elle sorte, tous les hommes à sa porte. Une femme comme ça, quand on la dans ses bras, c'est la fièvre. Parmi les partenaires de Gilda, Yvan est le seul qui s'appelle aussi Gilda. Mais au fil des décennies, son public a été témoin de fabuleux mariages de talents. Au Paris, en 1955, il y avait notamment dans sa troupe Louis Valdès, qui fera carrière ensuite au Crazy Horse à Paris. C'était un comique qui faisait une femme laide,
qui était supérieurement intelligent. Vous adorez ? Doué. À Londres ou à Rio, à Berlin, à Santiago, ici, à Buenos Aires ou à Monte Carlo, tous les hommes à sa porte attendent qu'elle sorte, tous les hommes à sa porte. Une femme comme ça, quand on la dans ses bras, c'est la fièvre qu'on a. Parmi les partenaires de Gilda, Yvan est le seul qui s'appelle aussi Gilda. Mais au fil des décennies, son public a été témoin de fabuleux mariages de talents. Au Paris, en 1955, il y avait notamment dans sa troupe Louis Valdès, qui fera carrière ensuite au Crazy Horse à Paris. C'était un comique qui faisait une femme laide, qui était supérieurement intelligent. Doué, il peignait. Il faisait des toiles merveilleuses, il dansait les danses espagnoles, il faisait ce qu'il voulait. Les premières revues de Gilda mettaient aussi en vedette une danseuse étoile du Lido, Coco Chartier, alias Barillon Richard, que Jean avait épousée à Rome en 1946, et la comédienne chanteuse américaine Michelle Mick Mercier, qui se travestissait en homme. Parmi les danseurs, il y avait le statuesque Nick Alexanos, la Russe Galina et l'Américaine Robin, qui est la mère de la fille de Jean, gay. Dans les coulisses des revues de Gilda, grâce à tout ce beau monde, il y avait nombre de chassés-croisés amoureux complexes. J'étais un des premiers à imiter Gilda, et Gilda m'a fait la politesse, l'amabilité de se présenter à la Comédie canadienne habillant Gilda, ce qu'elle ne fait jamais, enfin ce qu'il ne fait jamais. Alors si vous permettez ce soir, j'aimerais vous offrir un petit portrait sympathique, une caricature de Gilda. Vous permettez ? Ils n'ont pas dit non, c'est qu'ils ont dit oui. Mes enfants chéris, vous savez que lorsqu'on fait de la scène, il faut savoir d'être bien entouré. Et moi, j'étais très bien entouré par des gens comme Louis Valdès, mon cher Yvan. Et puis, depuis 12 ans, théâtre de variété, je suis avec lui. Il est formidable. C'est un ami personnel. Et j'aimerais vous le présenter, qu'on l'accueille, qu'on l'applaudisse comme il le mérite. Evan Johannes. Au printemps 1991, Jean Gilda annonce qu'il met fin à sa carrière sur scène pour épouser l'esthéticienne Fleurette Bouchard. 6 mois plus tard, le rideau tombe sur leurs amours. Ben, j'y croyais pas, ce mariage-là, de la preuve, c'est que ça n'a pas duré. Le seul mariage qui peut exister, c'est avec Gilda, la vraie. Vous savez, j'ai rien contre les homosexuels. Mais lui, il n'est pas homosexuel. En règle générale, qu'est-ce que vous pensez des potins qui peuvent circuler sur votre fond dans les journaux? Bah, ça dépend, il y a toutes sortes de potins. Vous avez le potin vicieux, le potin méchant, ou alors vous avez le potin amusant, spirituel. Personnellement, j'ai pas eu encore affaire au potin méchant. Ça m'arrivera un jour. Il y a toujours un début à tout. Je me suis rendu compte que Gilda, on se posait la question au départ, est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il n'est pas homosexuel? Alors là, de toute façon, on s'en foutait pas mal de ça. Ce qui nous intéressait, nous autres, c'était le phénomène.
Les homosexuels fuient Gilda comme la peste. Elle est trop féminine et elle est tout ce que j'aime pas. Quant à moi, ils me regardent comme si j'étais une chaise. Je les intéresse pas. Un peu sur une autre planète, hein. Il faut penser à ça aussi. Si on me prend, il faut prendre Gilda avec. Je dirais que je suis atteint d'une chose qui est assez commune, mais on en parle très peu, d'une double personnalité. C'est un peu comme si j'étais jumeau. Alors j'ai elle dans ma tête, qui me fait chier depuis 50 ans, parce qu'elle n'arrête pas de me parler. Si je peins, elle me fait des réflexions désagréables, je plaque tout et je fous le camp. Et ça m'a pris 30 ans à l'admettre. Et tout le monde me disait, tu peux pas savoir, c'est une emmerdeuse, elle a du talent. Elle est belle, mais c'est une emmerdeuse. Et si on a quelque chose à demander, on attend que ça soit toi, parce que t'es un bon garçon et tout ça. Et quand, d'après mon signe astral, on m'a dit que j'étais à cheval, mais alors complètement à cheval, sur le cancer et sur les gémeaux, ça m'a donné l'idée qu'effectivement, je suis gémeaux 100%. C'est-à-dire que j'ai un certain talent, j'ai beaucoup d'imagination. Je suis pas sécure pour deux sous. Le dernier qui a parlé a toujours raison. J'ai pas confiance en moi du tout. Que elle, elle bouge les montagnes. Oui, bon, mais je me demande si elle lui tient. C'est pas elle qui fera la soupe, hein. On peut reconnaître dans le mémorable rôle du chevalier Déon que lui avait confié l'équipe de la série Les Grands Esprits tout l'héritage aristocratique que Jean Gilda a investi au Québec. C'était fantastique de connaître Gilda. D'abord, c'est toujours fantastique de connaître quelqu'un dont on a seulement une image, puis tout d'un coup, on entre en contact avec, et là, on rencontre une personne. Et puis, Gilda était très gentille. Lawrison. Oh, chevalier. Chevalière. Oh, chevalière. il était comique, il nous faisait rire, il était généreux. Tout le monde dans la salle de répétition était fasciné par lui. Qu'entendez-vous par dans son intimité? Mais la même chose qu'on entendait à votre cour, Majesté, par avoir accès libre. Moi, j'étais un peu timide dans tout ça, alors je me tenais un peu à l'écart et je regardais tous les hommes de l'émission avec le chevalier Déon, la chevalière. Et en tout cas, c'était vraiment elle, la femme de l'émission. Durant la fête des gays à l'été 1998, Gilda a paradé dans les rues de Montréal aux côtés du maire Bourque. J'en croyais pas mes oreilles ni mes yeux de voir que les gens se rappelaient à tel point de moi et me faisaient une ovation. À 74 ans, Jean doit bien l'admettre, ses efforts pour tuer et enterrer sa créature ont été complètement déjoués. Elle a ressuscité. Avec ou sans le personnage, il est bien, il vit bien, il est confortable. Alors que moi, je ne le serais pas du tout. Si c'était mon... si je devais être à sa place, je ne pense pas que j'arriverais à en permanence faire face à tout ça. C'est dur, c'est lourd. Je pense que Jean a beaucoup aidé
à démystifier des choses, surtout sociales ou antisociales, le niveau qui aujourd'hui est accepté, il était bien avant son temps. Hein? Puis il a probablement payé cher pour. Et je pense que le public qui allait le voir n'appréciait qu'une partie, peut-être la majeure partie, mais qu'une partie de son art. Je pense qu'il y avait plus chez Gilda, il y avait un côté secret, un côté raffiné, un côté... Il y avait un niveau de sensibilité qui échappait à la majorité. Bon, il a été quand même la reine des travestis au Canada. Ça a été le plus grand travesti qu'on a jamais eu ici. Mais j'ai l'impression que Jean aurait voulu aussi que cette femme-là, par exemple, fasse du cinéma, devienne une grande comédienne. Et ça aurait pu arriver. Et si c'est pas arrivé, c'est peut-être parce que les producteurs et les réalisateurs ont eu toujours un peu peur de ce personnage-là, travesti.